Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolée si je ne vous ai pas fait ma wishlist de Noël, mais comme j'étais chez mes parents, j'avais pas tout ce qu'il me fallait. Et j'espère aussi que mes vlogs chez mes parents vous auront plu. Mes cadeaux de Noël que j'ai reçus, mes sous, je me suis offert. Je savais pas quand je voulais mon lisseur, et ça fait un an que je le veux, le SteamPod 3. Je ferai un avant et un après, genre des deux lisseurs, je ferai une vidéo lequel est le mieux, lequel que je vous conseille. Celui-ci, je l'ai payé 220. Je me suis encore jamais servi, il y a encore le plastique et tout. Ça faisait longtemps que je l'avais, à peu près moins que je l'ai. Et comme ma belle-sœur allait avoir le même et qu'elle ne le savait pas et que mes beaux-parents lui en ont offert un, donc je l'ai emballé en même temps qu'elle. Je l'ouvre en même temps qu'elle et au moins je voulais pas la rendre jalouse ou lui faire du mal parce que je lisse mes cheveux. Mettez de l'eau du magasin et là vous mettez genre il y a quelque part, mais je montre pas, je vais vous faire bientôt une vidéo sur ça. Alors par ma belle-mère et mon beau-père, j'ai eu un panier de plein de choses. Celle-ci je la voulais. Et c'est ma belle-sœur quand même qui me l'a dit de ne pas l'acheter car j'allais l'avoir par ma belle-mère. Voici la palette. Elle est très 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 jolie. Il faut se le dire, elle est vraiment magnifique. Je vous avais montré dans mon vlog l'autre palette qui avait chez Action. Elle est très bien aussi. Je ne l'ai pas encore testée. Et comme pareil, il y a toujours les timbres et les numéros genre 01, 02 et tout. Et je trouve que franchement, magnifique. Je vais pas faire peut-être une vidéo dessus ou crash test, je sais pas, on verra. Parce que j'en ai plein de palettes. Bientôt, je vais vous faire une vidéo de toutes mes palettes. AST Caféine Enrichi Sérum. Donc, c'est un KCML. Déjà deux, mais comme je suis une fan de ça, pourquoi pas. Donc, voici, c'est un roller genre qui refroidit en dessous pour mettre sur les cernes. Et. Genre c'est trop bien quand vous venez de vous réveiller. Je voulais ça depuis quelques temps, je voulais tester. Avant d'utiliser, vous pouvez l'appliquer sur une petite partie, voir si vous êtes allergique. Franchement, ils sont magnifiques, couleur un peu comme ça. Ça change un peu des masques que j'ai. D'habitude, je prends tout le temps des masques en tissu, mais en peel-off, c'est super cool. À part, attention aux sourcils. Hein, des patchs pour les pores, donc c'est des patchs pour le nez, il y en a 6 et c'est pour enlever. Laisser la main s'ébasser. Un coffret de masques pour toute la semaine. Un masque au bambou. Je ne l'ai jamais testé celui-ci. Il est vraiment magnifique. Celui-ci, c'est mon préféré aussi. C'est un masque lèvres dorées et ils sont trop bien. On a les masques de cette collection-là. Elles sont bien. J'ai déjà testé chez moi, je vous avais montré dans le vlog. C'est à la menthe. Vitamine C, pomme-grenade, avocat et à la lavande. Encore dans les masques, j'ai eu ceci. Je n'ai jamais testé, je pense. À part celui-ci, je crois que je l'avais. C'est à la camomille et au chéri. Celui-ci, gold mask, deux parties. On a les masques coréens ou chinois, je ne sais pas. Ça, c'est aux œufs. Et aux truffes, je crois, je suis pas sûre. Après, j'ai eu la collection Disney. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui est Disney. La Cendrillon, Belle, Blanche-Neige et Réponse. Pour les masques, je réponds, c'est des étoiles. Blanche-Neige, c'est des pommes. La Belle, c'est des fleurs. Et Cendrillon, c'est des escarpins. Et plus le petit panier. Après, j'ai eu un coffret pour les mains. C'est le frère de mon copain et sa femme qui me l'a offert. Masque pour les mains, formule hydratante et nourrissant. Produit à usage unique, massez le reste de sérum pour le faire pénétrer dans votre peau. Donc ça, c'est sûrement des gants. Ça, c'est une crème pour les mains. Franchement, le packaging, il est trop beau. Alors ici, je sais pas c'est vraiment quoi, j'ai jamais testé. Je crois que c'est pour réchauffer les mains, je suis pas sûre. Chaufferette pour les mains, ouais, donc pour activer la chaufferette pour les mains, pliez le disque en métal
plusieurs reprises, le liquide deviendra solide et mettra immédiatement de la chaleur. Ne pas placer la chaufferette pour les mains dans une serviette pendant les 10 premières minutes. La chaufferette pour les mains produit de la chaleur pendant 30 à 45 minutes. Franchement, ça a l'air pas mal. Par contre, faites attention. Ah, c'est bien, cette marque-là est vegan. Donc, si les personnes aiment tout ce qui est vegan, vous allez être bien servi. Par ma meilleure amie et par le frère de mon copain. Donc, le frère de mon copain, sa copine, c'est ma meilleure amie. Ça fait 2-3 ans, je crois, que c'est ma meilleure amie. Bah, depuis à peu près que je me suis mis avec mon copain. Je suis encore malade, donc ne me regardez pas. Voici le petit kit de maquillage. Je trouve que c'est très bien, le frais. C'est pas en français, donc c'est la marque Max & More, donc la marque de chez Action. Il y a vraiment des pupilles chez Action. Voici la jolie boîte, franchement elle est très très jolie, pour offrir à quelqu'un qui vient de débuter de maquillage ou même une personne qui adore le maquillage, c'est vraiment trop bien. Alors moi j'aime vraiment bien ces petits rouges à lèvres là, ils me font de l'œil. Voici la palette, franchement les couleurs sont magnifiques, il y a du bleu, il y a du gris. Dites-le moi en commentaire si c'est normal, il y a ça au milieu. Je sais pas. Les couleurs sont très 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 jolies. Le blush, il me plaît vraiment bien. Je n'arrivais pas à une maison. Désolée, j'ai encore toujours mes faux ongles depuis le premier. Mais ça va en vrai, je vais aller les refaire. Voici les couleurs des rouges à lèvres. Ils sont franchement mais trop trop jolis. Il y a une couleur un peu irisée, pailletée. Il y a du mauve, il y a des mats. Ils passent par là, je leur dis merci. Je ne m'attendais vraiment pas à ça du tout. J'ai eu ce cadeau-là, je le savais, j'allais l'avoir. Je la montrerai en fin de vidéo comment elle est. Comme je disais, j'ai eu ça et ça, je le savais. Ma belle-sœur aussi, elle l'a eu. C'est mon copain qui nous l'a offert. Elle est trop belle, par contre, elle est très légère. J'ai cru qu'elle aurait été un peu plus épaisse. Mais en dessous d'une petite veste qui n'est pas trop épaisse et que vous voulez avoir bien chaud, ça peut être trop bien. Alors ici, je ne le savais pas que j'allais avoir ça, je vous le promets. J'ai pleuré, j'ai pas de vidéo pour vous montrer comment j'étais, mais j'étais pas bien. Et j'ai même fait pleurer mon copain parce que j'ai été émue. Tous les cadeaux qu'on m'a offert, c'est ouf quoi. Surtout le cadeau de mon copain, je m'attendais vraiment pas. Déjà, c'est Histoire d'Or. J'aime vraiment beaucoup les bijoux Histoire d'Or. C'est une petite boîte comme ça et franchement magnifique à toujours servir. Alors, je vais vous montrer la petite pépite qu'il m'a offert. Voici le collier. Donc, c'est un argent, couleur argent et un cœur noir au-dessus. Ici, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pleuré. J'aime tout ce qui est marque, pas mettre 100€ ou 150€ pour un sac. Alors mon copain, je m'attendais tout sauf à ça. Regardez. Regardez la beauté du sac. J'aime vraiment beaucoup. De base, je n'avais pas réalisé que c'était un guess. C'est quand j'ai vu le mot ici, genre quand je l'ai déballé, je me suis dit, oh il est beau le sac. Mais j'aurais jamais cru que c'était un guess. Et puis quand je vois ici le beau guess, j'étais étonnée et tout. Et alors, je lui ai mis tout ce qu'il fallait. Et en fait, à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a des mots. Il y a les trucs Guess. Vous voyez, à l'intérieur, il est écrit Guess. Il est trop, trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Et le dernier cadeau, normalement, je devais terminer par mon copain. Mais je suis désolée. Mais celui-là, franchement... C'est la marraine de mon copain, donc sa grande sœur, copain, son mari, son copain. Regardez la beauté du cadre. C'est nous quand on était jeunes. Là, c'est encore nous il n'y a pas longtemps. Ça, c'est il y a longtemps. Et ça, c'est il n'y a pas longtemps. Donc, franchement, il est trop, trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Et si elle passe par là, je vous dis merci et je vous aime tous. L'autre cadeau de mes parents d'amour. J'ai eu une veste, je vous la mettrai ici quelque part. Normalement, j'avais fait un vlog, donc voilà. Et elle était trop belle, je la voulais trop et ça me changeait d'une couleur verte. Et je leur dis un tout grand merci, maman et papa, pour ma veste. Je vous aime très fort.
surtout que j'aime vraiment beaucoup la veste. Elle est trop trop belle. Donc cette veste là, je la voulais depuis très longtemps aussi. Elle était sur Shein, mais j'attendais le bon moment pour l'acheter, mais finalement mon copain me l'a offert. Mais j'aime vraiment beaucoup la veste un peu truc bûcheron et tout. Il y a la rouge aussi. La rouge, elle a l'air très belle aussi. Mais franchement, la grise blanche, j'aime vraiment beaucoup. Avant que je clôture ma vidéo, je dois vous dire joyeux Noël à tous et à toutes. J'espère que votre Noël cette année-ci s'est bien passé, parce que l'année passée, on ne pouvait pas faire vraiment en famille. Je clôture ma vidéo ici. Moi, je vous dis à vendredi prochain.